le but c'est des... juste c'est péter la gueule et c'est défoncer. En sachant que qu'il a un limite du coup dans la map, ce voilà, c'est pas entièrement dans toute la map, c'est juste on tire dessus. Allez, voyons. Je suis touché. Sont mes collègues en fait. Ils sont foirés dans le viseur. Ouais, ça arrive par derrière bien sûr. Gaz lacrymo lancé. L'avantage de la gaz lacrymo, c'est que ça vous sert de fumée pour vous camoufler, mais aussi ça sert pour attaquer. Ça veut dire que si vous êtes attaqué, vous pouvez l'utiliser comme contre-attaque. Contrairement à la fumée fumigène, qui elle, par contre, c'est tout le contraire, elle sert à rien. Je rigole, bien sûr, pour ceux qui savent l'utiliser, j'ai géré. Je croyais que c'était des gens, mais j'ai une mauvaise vue. Ouais, tu atterris derrière moi, mais c'est quoi ce putain de truc? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Désolé pour les gros mots, je peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi. Ah oh là là. Alors. On a le côté bleu. Eux, ils sont le côté rouge. Le côté rouge qui est je sais pas où en fait, parce qu'en fait mes amis sont un peu partout dans la map et je sais pas où il est le côté rouge. Un kill quand même, j'ai déjà un kill et c'est déjà assez bien je trouve. Là vous voyez, il m'a piqué le kill lui, mais c'est pas grave. Dans le bâtiment, deuxième fenêtre, vous voyez ici. Bah il a personne. Bah lui il est tombé comme une crotte. L'ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. Donc ça vous permet du coup de vous améliorer soit votre arme du coup avoir un double XP, soit ça vous permet de tout simplement tout con être plus fort avec un atout. Excusez-moi, je viens de roter. Machallah, mais machallah, mes chaussures sont trop beaux. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon, ces chaussures elles sont très bien, mais les miens c'était encore plus beau, faut le dire. En vrai, la vidéo, je sais même pas si je vais la terminer, hein, ouais. Parce que le contenu que je vous propose, c'était juste la présentation du mode de jeu. Après, voilà, si vous voulez faire le mode de jeu, vous allez dans le jeu, vous allumez Warzone et vous lancez ça. Après, vous pourrez voir par vous-même. Moi, je vous propose rien de nouveau. Moi, tout ce que je vous propose, c'est mon gameplay mais faire sécher comme ça, comment ça peut arriver? Tu dis, comment ça peut arriver? Au détecteur cardiaque, le bonhomme, il est là. Punaise, je lui donne des kills gratuits en plus. Tu sais même pas où est la map, en fait. Tu atterris où tu veux. Et tu sais même pas pourquoi il a un truc au milieu, là. Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer d'atterrir là. Là, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais c'est atterrir là-bas. Je sais pas pourquoi j'ai marqué cet endroit. Est-ce qu'il a des renseignements? Je sais pas, on verra. Alors non, ça pue la merde. Donc, on a des atouts comme ça. Donc, on a des améliorations double XP, vous voyez bien. Simplement, c'est dégueulasse. C'est tout simplement dégueulasse. Bon, c'est déjà ma base. C'est déjà, c'est bien. On verra la suite.
Je vais finir par comprendre le système du jeu. Je comprends pas très bien. Je comprends pas très bien le système du jeu. Merde, putain. Ouais, j'ai un problème avec ma mallette. C'est que depuis un moment, elle arrive plus à... Bah, elle arrive plus à faire ça, en fait. Pourquoi elle marche? Et tête! Ah oh, non. Zone de puissance imminente. Oh bâtard, il m'a sur le viseur. Ah, j'étais vu, je l'ai vu. Trop au contact. Identité de la cible mise à prix confirmée. Faites ça vite. Il a plus snipe. Ça y est, il est mort. Ah bah cache-toi, te laisse pas faire. Tant que je suis en vie, en fait, j'ai deux blispés. D'accord, je vais le comprendre. Excellent tir. La cible mise à prix a été éliminée. Fantastique. Merde, c'était pas ça. Je vois pas. Ah, des avions à la Warba, carrément. J'ai plus le viseur, vous voyez? Il était touché par un truc de merde. Voilà, c'est la mer noire là. C'était quoi ça? Il a eu? Non, je crois pas qu'il a eu en fait. Mais non, je lance thermite, explose. Je m'en fous, tu exploses. Tu dois exploser. Il a même pas explosé ma thermite. Pour moi, ça marche pas en fait leur truc. Genre lance une thermite sur un véhicule, ça explose pas. Non. Ah non, le but de ce jeu, c'est me faire parler. Comme j'ai dit, je pense que je vais pas la finir. J'ai fait trop la misère, c'est un massacre, c'est la rage, c'est la haine. Soldat ennemi à proximité du t-shirt prêt. Fenêtre, pas de fenêtre. Fenêtre. Fenêtre en haut. Fenêtre en bas. Fenêtre sur le côté. Ouais. En bas, à gauche. Oh, il m'a collé un truc. Putain, regarde-moi ça, le bonhomme, il chasse à l'arbalète. Et le pire, c'est que je pense qu'on va gagner la partie. Le pire du truc. Le but, c'est juste, c'est easy et c'est dur pour moi. Restez sur vos gardes. Il est où l'autre? Il est où? C'est quoi que ce balle? Pourquoi que ce balle traverse l'immeuble? Joli. Les murs servent à rien dans ce jeu. Drone ennemi actif.
On l'a gagné avec une arme vide. Je l'ai gagné avec une partie tout le long, j'avais des munitions, je l'ai gagné avec une arme vide. C'est pas what the fuck, que what the fuck. Numéro 1, du coup, je vous dis, c'était Pistache, je vous dis, abonnez-vous si c'est pas fait, lâchez un pouce bleu, ça me fera vachement plaisir. Je vous dirai, je vous retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo, ou pour un tutoriel, je sais pas, et on verra bien si le futur, on est encore là. Je vous dis, ciao, ciao, Pistache, poum, balle tout le monde.